Paru ce mercredi à l'Institut Paris Région, plus de 2700 friches ont été répertoriées en Île-de-France. Un recensement qui permet une meilleure réhabilitation de ces lieux inhabités. On en parle avec toi, Jean-Baptiste Graziani, dans le Pariscan. Tout d'abord, on aimerait savoir qu'est-ce qu'une friche, justement. Alors, il n'y a pas de définition légale à proprement parler, d'où la possible évolution de leur nombre. Mais concrètement, une friche, c'est un site qui n'a pas été occupé depuis longtemps, qui n'a plus été utilisé, mais qui a été occupé avant. Et en Ile-de-France, on en dénombre donc plus de 2700, avec environ 800 à Paris en petite couronne, dans des zones denses donc. Au total, cela représente 4200 hectares de terrain, ce qui équivaut à presque la moitié de la capitale en termes de surface. Ces friches, il y en a de toutes sortes, mais on va en retrouver en grande majorité des espaces verts abandonnés, comme des lisières de bois, 20% des lieux sont sans édifices construits dessus et pour le reste on trouve principalement des habitats ou dans des anciens bâtiments de travail. On peut citer par exemple la petite ceinture parisienne ou encore les anciennes fonderies de Montreuil ou même l'ancienne gendarmerie nationale de Bondy. Concernant les types de propriétaires de ces friches, la plupart sont des acteurs privés mais on va retrouver également des acteurs publics et des acteurs hybrides mais presque 2000 acteurs privés à convaincre pour le réaménagement. Le réaménagement de ces friches justement, Jean-Baptiste, qu'en est-il ? Alors, cela pourra prendre des formes très diverses. Elles pourront très bien se transformer en logement, en terrain pour des activités agricoles ou bien pour des activités industrielles, mais également devenir des espaces publics ou bien pour de l'installation de panneaux solaires. Pour savoir quel est le meilleur futur de ces friches, eh bien, l'Institut Paris des Régions est en train d'élaborer un outil pour accompagner les collectivités et les autres porteurs de projets. Selon l'emplacement de la friche, on déterminera quelle est sa meilleure transformation. Et cette réhabilitation, elle est nécessaire selon la région. On écoute Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est des outils sur lesquels on peut reconstruire la ville, sur lesquels on peut recréer de l'aménagement, sur lesquels on peut recréer des zones naturelles. C'est plutôt que d'aller consommer des espaces naturels. C'est un peu plus de 8 années de consommation de foncier qui a lieu en Ile-de-France qui peut être faite sans étalement urbain. Donc limiter la consommation de foncier et reconstruire ce l'existant, un enjeu majeur pour deux raisons. D'abord car la région gagne en moyenne 50 000 habitants par an. Donc il faut de la place évidemment pour les loger et pour travailler par exemple. Et d'autre part il faut respecter le plan diversité datant de 2018. L'objectif zéro artificialisation nette doit être atteint d'ici 2050. Et en optimisant donc des lieux déjà urbanisés, on n'a pas besoin d'artificialiser les sols, c'est dur à dire. C'est-à-dire de les imperméabiliser, ce qui en fait dégrade l'écosystème et participe au réchauffement climatique. Au total, une centaine de projets de réqualification des friches pourraient être lancés dès l'année 2021.